Bonjour et bienvenue dans l'atelier de création numérique. Dans ce tutoriel, je vais vous apprendre à créer un tableau de Lego à partir de n'importe quelle image. Pour cela, nous allons convertir l'image en objet dynamique. Deux solutions. Soit vous cliquez ici avec Photoshop CC 2014 ou vous cliquez ici, Calque, Objet dynamique, Convertir en objet dynamique. Vous pouvez vous apercevoir que l'image a bien été converti en objet dynamique grâce à cette petite icône. Nous allons ensuite modifier la taille de l'image. Pour cela, allez dans Images, Taille de l'image, assurez-vous que la liaison soit bien mise et passez la hauteur à 2000 pixels. Automatiquement, la largeur va augmenter ou diminuer selon votre image. Passez la résolution à 72 pixels par pouce, puis validez. Nous allons ensuite passer l'image en mosaïque. Cliquez dans Filtre, Pixelisation, Mosaïque. Saisissez 50 carrés en taille du carreau, puis validez. Nous allons créer le Lego. Pour cela, allez dans Fichier, Nouveau. Largeur et hauteur, saisissez 50 pixels, ce qui correspond à la taille du carré effectué sur l'image précédente. Couleur d'arrière-plan, vous faites comme vous voulez, puis validez. Nous allons zoomer afin de mieux voir l'image. À présent, nous déverrouillons le calque en cliquant sur l'icône. Et nous allons le remplir de 50% de gris. Pour cela, faites Édition, Remplir, majuscule F5. Et remplissez ici avec 50% de gris et validez. À présent, créons un nouveau calque dans lequel nous allons mettre le rond du logo. Faites afficher, si cela n'est pas le cas, les règles. Puis, vu que le carré fait 50 sur 50, placez-vous dans la règle horizontale et descendez à 25 afin de faire apparaître la règle. Placez-vous dans la règle verticale, tirez, placez-vous à 25. Assurez-vous également que le magnétisme soit coché. Allez ensuite dans l'outil ellipse, placez-vous au centre, puis touche Alt et majuscule enfoncé, éloignez-vous vers le bord afin d'obtenir ceci. Relâchez. Ensuite, le calque doit être rempli de blanc. Pour cela, assurez-vous que l'arrière-plan soit bien le blanc. Et le premier plan, le noir. Pour cela, pressez la lettre D, puis remplissez la zone en faisant CTRL plus SUP. Désélectionnez CTRL D, centrez votre cercle. Pour cela, faites CTRL A afin de le sélectionner, puis cliquez sur l'outil Déplacement, lettre V. Alignez-le dans le sens horizontal, puis dans le sens vertical. Désélectionnez, CTRL D. Je vais vous montrer s'il n'était pas centré, les mettons il était comme ça. Vous faites CTRL A, vertical. Vous voyez, il s'est recentré. CTRL D. Double-cliquez dans la vignette afin de faire apparaître la boîte de style de calque. Passez l'opacité du fond à 0%. Validez sur biseau et estampage et sélectionnez-le. Sélectionnez un biseau interne, lisse, 100%, haut. La taille va être passée à 5 pixels et 0 pixels pour le flou. L'angle, 90 degrés. L'opacité des tons foncés, c'est-à-dire ici, va être réduite à 50%. Sélectionnez ensuite ombre portée, l'opacité 70%, la distance 3 pixels, la taille 4 pixels, puis validez. Double-cliquez dans la vignette du calque 0, puis allez dans biseautage et estampage. Passez la taille à
4 pixels, l'opacité des tons foncés à 50%, puis valider. Allez dans Édition, Utiliser comme motif et nommez-le Lego. Et valider. Ouvrir le portrait, créer un calque de remplissage ou de réglage. Cliquant ici et sélectionner Motif. Allez dans le mode de fusion et passez-le en lumière linéaire. Créez encore un calque de réglage. Sélectionnez ISO-ELI. Saisir une valeur entre 4 et 8. En fait, la valeur est en fonction de la couleur obtenue. Vous voyez, ceci, c'est pas trop beau. Normalement, c'est 4 et 8 en fonction de l'image. Vous voyez, moi, je passe quand même à 40. Créer de nouveau un calque de remplissage et de réglage. Sélectionnez Teinte et Saturation. La saturation, passez-la à 20. Vous voyez, la couleur des Lego. Prenez le calque contenant le motif, c'est-à-dire celui-ci, puis placez-le en haut. Ce tutoriel est à présent terminé et je vous donne rendez-vous la prochaine fois sur le site Atelier de création numérique. Merci.